Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne, c'est Thomas sur la chaîne. Il était un jeu. Ravi de vous retrouver parce que c'est un jeu que je vais vous présenter aujourd'hui avec les règles spécifiques et bien sûr, mon avis, c'est un jeu qu'on a eu dernièrement pour nos anniversaires. Je l'ai offert à Elo, elle adore ce jeu. C'est un jeu abstrait que vous avez, je pense, entendu parler. C'est Mandala Stones. Les pierres d'harmonie, c'est édité chez Lucky Duck Games, c'est de 2 à 4 joueurs de 30 minutes à partir de 10 ans. Pour moi, je vous le dis de suite, Mandala Stones, c'est le digne héritier de Azul, le célèbre jeu abstrait qui avait gagné, si je me souviens bien, l'As d'or en 2018. Dites-moi si je me suis trompé, je vais aller vérifier un petit peu après ça. Car dans Mandala Stones, très peu d'actions différentes, seulement 2. On peut récupérer des pierres, comme dans Azul, et on va pouvoir marquer des points, comme dans Azul. Mais ici, la façon de scorer va être très très différente, mais il va falloir optimiser son jeu pour faire un maximum de points. C'est très très beau, c'est très qualitatif, et une rejouabilité qui est vraiment au rendez-vous aussi. Mais écoutez, moi je vais vous en parler, on va voir ensemble les règles détaillées de ce jeu avec une nouvelle présentation, vous me direz si ça vous plaît également. Ben, installez-vous confortablement et regardons ensemble les règles du jeu détaillées, puis mon avis, c'est parti. Bienvenue les amis dans Mandala Stones, les pierres d'harmonie où tout n'est que beauté et tranquillité. Je viens, comme vous le voyez juste ici, de disposer des pierres colorées afin de créer une œuvre étonnante. Mais cependant, bien qu'il y ait plusieurs créateurs, c'est eux les créateurs, les artistes, les jetons noirs. Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Il faudra influencer les artistes en les positionnant judicieusement sur le plateau principal, en constituant ainsi des piles à partir des pierres qu'on va collecter, et au moment opportun, on les disposera sur le mandala afin de marquer un maximum de points de victoire. Donc pour aller un tout petit peu plus vite, ben je vous ai proposé une mise en place déjà prête, où j'aurais mis l'ensemble des jetons, l'ensemble des pierres de manière aléatoire sur chacune des cases du plateau, disposer les artistes, c'est ceci, sur cette configuration-là, peu importe le nombre de joueurs, que vous soyez 2, 3 ou 4, il y aura toujours 4 artistes, des jetons de points de 50 si on arrive à dépasser ce score, juste ici, sur la ligne de score de notre plateau principal, avec un petit jeton qui nous permettra de scorer. Et là, ici, ce sont ici qu'on placera les pierres qu'on aura récoltées pour essayer de marquer des points selon la configuration qui y sera inscrite. On a le mandala ici qui va nous permettre, en fonction de l'avancée du jeu tel un escargot, de marquer des points bonus et aussi de signer la fin de la partie en fonction si on arrive à poser une pierre sur cet endroit avec deux mains pour symboliser les parties à 2 joueurs, à 3 joueurs et à 4 joueurs. Donc Mandala Stone, comment ça se joue? Ben déjà, il faudra mettre en place un petit peu comme je vous l'ai proposé ici. Et le jeu reste très très simple puisqu'il n'y a que 2 actions possibles. Chacun son tour, les joueurs vont choisir soit de collecter, soit de décompter. Et c'est inscrit sur cette petite tuile qui récapitule les règles du jeu pour s'y référer si on avait des doutes. Et d'ailleurs, en parlant de petites cartes, en début de partie, on va en récupérer 2 qui seront des objectifs personnels qu'on va garder secrètement à notre disposition. Et à la fin de la partie, on devra en choisir une des 2 pour essayer de marquer des points bonus qui pourraient peut-être vous amener vers la victoire. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, d'abord, bien sûr, vous aurez désigné celui qui jouera en tant que premier joueur. Et ensuite, il va choisir une action, soit de collecter, soit de décompter. Commençons par la collecte. Déjà, avant de pouvoir collecter, il faut absolument qu'il n'y ait aucune case toute pleine. Il faudra que toutes les cases ici soient vides, car on va recueillir des pierres ici et les positionner sur notre plateau principal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir choisir un des 4 artistes et le placer où je veux sur une case libre disponible du plateau. Disons par exemple, je choisis celui-ci avec ce symbole-là. Je vais le positionner juste devant moi. Et en fonction du symbole de l'artiste, je vais récupérer l'ensemble des pierres avec le même symbole, peu importe la couleur. Ça, c'est
obligatoire. On ne pourra pas s'y placer s'il n'y a pas de jetons de pierre à récupérer. Donc ici, je pourrais récolter celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mais comme il y a un artiste de l'autre côté de cette pile de pierres, je ne pourrais pas là non plus la récupérer. Donc je peux récupérer seulement cela. Celle-ci, c'est un autre symbole qui est représenté et je ne peux pas la récolter. Et là où ça va être très important, c'est la façon dont vous allez les récupérer. Parce que si je les récupère comme ceci, les piles bien sûr vont s'amenuire au fur et à mesure de la partie, je les récupère et je vais les positionner sur une, pour l'instant, des 5 cases disponibles. Et en fonction du lieu où je vais la positionner, la façon de marquer des points dans la deuxième action possible va être totalement différente. Donc imaginons, voilà, je vais le positionner, hop, juste, allez, ici, voilà. Les autres joueurs vont faire de même en disposant et en déplaçant les artistes, récolter les pierres qui seraient à côté, sauf s'il y avait un artiste adjacent. Une fois que par exemple, on va dire, hop, on va, tour de magie, voilà, tour de magie, je vous ai fait une petite avancée rapide sur la partie du jeu pour vous expliquer la deuxième action possible, c'est le décompte. Et le décompte, eh bien, je vais devoir tout simplement choisir une des couleurs disponibles tout en haut de mes piles. Il faudra qu'il y en ait deux au moins. Par exemple, ici, je vais choisir le bleu et je vais réaliser l'ensemble des actions et des façons de marquer des points, des colonnes, avec la couleur bleue, peu importe le symbole qui sera affiché. Voyons en détail les manières de marquer des points. Donc ici, on marquera des points selon la hauteur différente des colonnes. Ici, j'ai 0, ici, j'ai 1, ici, j'en ai, hop, j'en ai 2, ici, j'en ai 4 et ici, j'en ai 3. Donc j'ai 5 colonnes de hauteur différentes. Je marque donc 5 points et je l'enlève. Ici, on reste toujours sur la couleur bleue. La colonne me dit, si c'était le jeton en deuxième position, je marquerais 3 points. C'est le cas. Hop, je marque 3 points. Et ici, de la même manière, mon jeton bleu, il est en quatrième position. Je marquerai donc 6 points. Ici, je ne l'utilise pas puisque ce n'était pas du tout cette couleur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends l'ensemble des pierres que je viens de décompter pour les placer sur le plateau mandala. Et si j'arrive à recouvrir les bonus, eh bien je marquerai d'autant plus de points bonus sur mon plateau personnel. Et vous voyez donc ainsi de suite, pour mon prochain tour de jeu, ici j'ai déjà deux couleurs similaires sur mon plateau personnel. Je pourrais donc tout à fait utiliser à nouveau le décompte et utiliser les deux actions ici. Ici en ne marquant qu'un seul point, parce qu'il n'y a qu'une seule pierre. Et ici, avec le nombre de couleurs différentes qu'il y aura sur cette colonne, c'est-à-dire j'en ai que deux, donc je marquerai 2 points plus 1. Voilà. Et au fur et à mesure de la partie, on marquera d'autant plus de points. Et à la fin de la partie, quand on arrivera à recouvrir, comme je vous le disais, les mains 2, 3 et 4 joueurs avec n'importe quelle pierre de n'importe quel joueur, tout le monde jouera le même nombre de tours et on arrêtera la partie. On essaiera de voir en fonction de conditions de victoire si on arrive à obtenir des points bonus sur nos objectifs secondaires. Et voilà, que le meilleur l'emporte, car bien évidemment, c'est celui qui marquera le plus grand nombre de points qui sera le grand gagnant de Mandala Stone. Donc, vous aurez compris que Mandala Stone, c'est vraiment très simple à jouer, c'est très beau, très contemplatif, mais sous ces airs de jeu zen, il faut quand même réfléchir et il faut optimiser son jeu. Attention, peut-être ne pas laisser des places vides, en tout cas pour que les artistes puissent se déplacer, les adversaires puissent déplacer leurs artistes à un endroit où ils pourraient combiner un maximum. Il va falloir réfléchir à peut-être placer nos colonnes de pierre à certains endroits pour se laisser l'opportunité de scorer un maximum en mettant peut-être 4. Voir un petit peu les couleurs aussi, comment les aménager pour qu'on puisse, une fois qu'on aura décompté, qu'on puisse enchaîner comme ça le score à chacun de nos tours. Bref, vous l'aurez compris, il y a quand même pas mal de choses à gérer dans ce jeu qui est pas très cher en plus. Et ça se ressent, je trouve, quand même, par contre, sur le matériel. Parce que si on adore le jeu, il y a quand même 2-3 trucs qui nous ont un peu chiffonné. À commencer par le plateau personnel de joueur qui est en carton assez mou. Voilà, ça fait pas honneur au jeu, je trouve, c'est un petit peu décevant. Et aussi,
Voilà, je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous avez pu y jouer, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Sur la ligne de score, on nous propose d'aller jusqu'à 50 et ensuite de récupérer un jeton 50 pour repartir à 0, etc. Comme dans la plupart des jeux. Mais si dans la plupart des jeux, arriver au score maximum, ça reste relativement rare, ici, nous, on y arrivait systématiquement. Et pas que celui qui avait gagné. Avec Hello, tous les deux, on a toujours systématiquement dépassé les 50 points. Donc je sais pas si c'est forcément optimisé. Bref, ça gâche pas le plaisir de jeu, mais voilà, il y a peut-être quelque chose d'autre qui aurait pu être fait. Après, le reste, il y a aussi les couleurs. C'est vrai que les logos, les signes qui sont inscrits, les deux signes différents qui sont inscrits sur les pierres, c'est vrai que des fois, en fonction des couleurs, on a un petit peu de mal à visualiser un petit peu ça. Et donc, on va peut-être jeter un coup d'œil, ce qui va peut-être faire lire notre jeu aux adversaires aussi. C'est un petit peu dommage. Mais sinon, ça reste excellent. On a vraiment pris beaucoup de plaisir. On y joue quasiment tous les soirs, là, depuis une semaine. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que c'est un véritable coup de cœur. Les jeux abstraits n'ont pas des masses dans notre ludothèque. Je préfère les choses bien concrètes, aventure, exploration, etc. Mais ce genre de jeu-là, je pense qu'il ne faut pas y passer à côté. Surtout avec l'été, ça sent bon la zénitude. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter Mandala Stone avec les nouvelles règles. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, cette nouvelle façon de présenter les règles. En tout cas, d'essayer de faire moins de points de vue différents et de faire comme si la partie était filmée. Je pense aussi que des parties filmées, c'est quelque chose qui me tente très bien. Donc dites-moi si ça vous tente aussi, si ça vous intéresse en tout cas. Et bien, comme d'habitude, je vous laisse avec le catalogue de vidéos juste ici. C'est fait pour vous, pour découvrir les tops, les dernières vidéos et mes avis détaillés. Et sur ce, je vous dis à très très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis.